rendu de la 85e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, présidé ce vendredi 3 février 2023 par visioconférence, la 85e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. Et 5. Enfin, examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De la visite de sa sainteté le pape François à Kinshasa. Le président de la République, chef de l'État, a, au nom de toute la nation congolaise, exprimé sa joie d'avoir accueilli le pape François à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette visite du souverain pontife, 38 ans après celle du pape Jean-Paul II en 1985, est un honneur qui a été fait à la République démocratique du Congo. La grande mobilisation et la ferveur observée à travers la République au cours de ces 4 derniers jours ont démontré à quel point le pape François était attendu par la nation congolaise dans sa plus grande diversité, avide de réconciliation et de paix, a martelé le président de la République. Placé sous les thèmes « Tous réconciliés en Jésus-Christ », la présence du chef de l'Église catholique en terre congolaise est venue rappeler le rôle pivot normalement dévolu à l'Église, au sein des sociétés humaines et dans le monde, celui d'être au milieu du village, c'est-à-dire sincèrement résolu à faire taire les divisions et à œuvrer pour l'avènement d'une paix durable entre les hommes et les nations. Cette visite a été marquée par l'attention portée par sa sainteté les papes sur les défis actuels et futurs auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Le président de la République s'est dit réconforté par l'appel à la résistance lancé par François dans son adresse aux autorités publiques, au corps diplomatique, à la société civile et aux forces vives de notre pays, face à la tentative méprisable de fragmentation de la République démocratique du Congo à la base de la guerre, injuste qui est imposée à notre pays et à l'Afrique par des puissances étrangères. Dans les mêmes élans, le Saint-Père a invité les protagonistes du pillage en Afrique à retirer leurs mains de l'Afrique et de la République démocratique du Congo et d'arrêter de les étouffer. Le président de la République a souligné l'intention du Saint-Père de voir l'Afrique œuvrer résolument pour son indépendance économique en prenant son destin en main, tout en mentionnant également l'importance d'éveiller à l'éducation comme pilier du développement de toutes les nations. Le président de la République s'est félicité de la sensibilité éprouvée par le pape à la défense de la cause des victimes de l'Est au niveau mondial, tout en condamnant l'inaction et les silences de la communauté internationale face aux exactions terroristes commises au service des intérêts étrangers. C'est dans cet élan que le souverain pontife a rencontré les victimes des atrocités à l'Est du pays et a entendu leurs témoignages les uns plus cruels que les autres. Les propos de paix et les résiliences du pape doivent tous nous interpeller dans notre appartenance commune à la nation congolaise, a-t-il insisté. Le président de la République a aussi rappelé le fait que c'est un devoir pour tous les Congolais de comprendre que les souffrances qu'endurent nos compatriotes à l'est de notre pays sont celles de chaque Congolais et que chacun de nous doit travailler d'une manière ou d'une autre pour barrer la route à l'aventure criminelle de ces terroristes supplétifs de l'armée rwandaise. Par ailleurs, sur un ton optimiste et réaliste, le président de la République a réaffirmé que notre pays représente une espérance pour le monde entier. Il nous appartient de nous ouvrir aux vraies valeurs de l'homme en bannissant les antivaleurs telles que stigmatisées par le Saint-Père dans le comportement au quotidien, de poursuivre des actions pour le progrès du pays dans un esprit de justice et de netteté, où chacun, dans sa responsabilité civile ou gouvernementale, vit sa fonction
comme moyen de servir la nation congolaise. Le président de la République a remercié toutes les institutions, la société civile, les communautés religieuses qui ont été à pied d'œuvre pour assurer la réussite de cette visite mémorable. Le professionnalisme des forces de l'ordre et des services de sécurité a été vivement salué et félicité par le président de la République. Pour terminer, le président de la République a remercié toute la population congolaise en général et les jeunes en particulier pour avoir participé massivement à la Sainte Messe des Ndolo et à la rencontre avec le pape au stade de Martyrs. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur le rétablissement du dialogue social dans les sociétés du portefeuille de l'État, cas de la compagnie sucrière de Kwilungongo. Le président de la République a déploré la situation intolérable des discriminations et d'injustices sociales dans les politiques d'embauche et des politiques salariales qui s'observent dans la compagnie sucrière de Kwilungongo. Cette situation qui proviendrait des recrutements opérés dans le non-respect des dispositions légales conventionnelles et réglementaires qui régissent cette entreprise agro-industrielle et du fait de l'application des barèmes salariaux disparates et discriminatoires en violation de l'article 86 de la loi numéro 016 du 010 du 15 juillet 2016 portant code du travail en République démocratique du Congo porte gravement atteinte aux droits des travailleurs qui sont obligés de croupir dans la misère. Pour y faire face, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre du portefeuille, en collaboration avec la cellule climat des affaires de la présidence de la République, de diligenter une mission d'évaluation de la situation sociale au sein de la compagnie sucrière de Kwilungongo, afin que l'État actionnaire puisse en transmettre ses observations et recommandations au conseil d'administration. 3. Du projet d'équité et de renforcement du système éducatif. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil que le projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS, financé par la Banque mondiale, appuie la mise en œuvre de la stratégie sectorielle et soutient la mise en œuvre durable de la politique de la gratuité de l'enseignement primaire dans notre pays. Ce projet a pour objectif principal d'alléger le fardeau des frais scolaires sur les foyers congolais à travers un appui budgétaire direct au titre de contribution à la rémunération des enseignants et au fonctionnement des écoles primaires. D'un montant global de 800 millions de dollars, ce projet a été approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale en date du 15 juin 2020 et se clôturera le 31 décembre 2024. Le président de la République s'est réjoui du fait que les décaissements s'effectuent à un bon rythme et devraient s'accélérer dès les mois de mai 2023 avec la mise à disposition de la totalité des ressources humaines prévues. Le président de la République a chargé les ministres de l'EPST, technique de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à maintenir l'élan entamé avec l'équipe en place. 4. Dès l'implémentation du programme de gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques. Le président de la République a rappelé que notre pays est très dépendant des importations. Nous assistons à une augmentation constante des déchets des équipements électriques et électroniques importés. La prolifération de ces déchets, entassés sur des décharges à ciel ouvert, menace la santé publique et l'environnement alors même que leur recyclage pourrait générer d'importantes ressources financières ainsi que de nombreux emplois liés à la filière de recyclage tout en préservant l'environnement. Le président de la République a également rappelé que notre pays dispose d'un programme de gestion des déchets, des équipements électroniques et pneumatiques, élaboré conformément aux dispositions de la Convention de Bâle de 1989. Les buts principaux de ce programme étant d'une part de réduire le transfert de ces produits polluants des pays industrialisés vers les pays en voie de développement et d'autre part de donner des capacités techniques et financières nécessaire à la gestion rationnelle des déchets. Ainsi donc, dans le souci de rester cohérent avec nos engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique, le président de la République a demandé à la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, et au ministre du Commerce extérieur, de présenter lors du premier conseil du mois de mars prochain, les dispositifs mis en place au niveau national pour permettre à notre pays de recouvrer ses éco-redevances
taxe de recyclage anticipée perçue par les fournisseurs internationaux lors de la vente aux importateurs des équipements électroniques et pneumatiques en République démocratique du Congo. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la visite papale qui s'est clôturée aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour le gouvernement de saluer tout d'abord l'action diplomatique de son Excellence Monsieur le Président de la République, laquelle a ainsi permis cette visite de haute facture. Le gouvernement s'est félicité et félicite ensuite tout le peuple congolais pour le bon déroulement de cette visite, laquelle n'a enregistré aucun incident majeur, en dépit de la multiplicité et de l'ampleur des activités organisées. Toutes les équipes, toutes les étapes du programme établi conjointement entre le gouvernement et l'Église catholique ont été strictement respectées. Au-delà des compatriotes de confession catholique, la visite papale aura permis de réunir toute la nation congolaise autour des valeurs de paix, de solidarité et de réconciliation, en ce moment où notre vouloir vivre collectif est mis à l'épreuve et l'intégrité de notre territoire national, menacée par des forces négatives, notamment le mouvement terroriste M23, soutenu par le Rwanda. Le Premier ministre a tenu à rendre un hommage particulier au Président de la République qui a suivi de près tous les détails liés à l'organisation de tous les événements en marge de cette visite papale. Au nom du gouvernement à son tour, le Premier ministre a tenu à féliciter les acteurs sociaux, les institutions, ainsi que les structures de l'État impliquées dans l'organisation, tant au niveau conceptuel que technique de cet événement, laquelle restera gravée dans les annales de l'histoire de notre pays. Sur le même chapitre de rendez-vous internationaux, le Premier ministre a rappelé que le gouvernement est en plein processus organisationnel des 9e Jeux de la francophonie, prévu à Kinshasa au mois de juillet-août 2023. À cet effet, il a interpellé tous les intervenants, principalement le comité de pilotage et la direction nationale des 10 Jeux, à observer la même rigueur dans l'organisation pour la réussite de cet autre grand rendez-vous pour notre pays. 2. Mouvement de grève en perspective dans les secteurs de l'éducation et de la santé publique. Le Premier ministre a appris de diverses sources une éventuelle reprise de mouvements de grève dans certains secteurs de l'administration publique, notamment dans les sous-secteurs de l'éducation et de la santé publique. Face à cette perspective, il a rappelé les avancées significatives obtenues grâce au processus de dialogue permanent entre le gouvernement de la République et les partenaires sociaux. Il convient ici de souligner que plusieurs engagements pris auprès de différents partenaires sociaux ont été et seront respectés par le gouvernement. En ce moment où notre pays fait face à plusieurs enjeux d'ordre sécuritaire, diplomatique et électoral, le gouvernement en appelle à la responsabilité des partenaires sociaux afin de garantir une paix sociale durable dans tous les secteurs de la vie nationale. Le gouvernement leur assure de sa volonté permanente de trouver dans les dialogues toutes les solutions aux problèmes qui se posent. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, a fait le point sur l'État et l'administration du territoire, qui reste dominé par la dynamique des opérations militaires en cours en vue de défaire toutes les forces ennemies de notre pays. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par l'accueil chaleureux et historique du souverain pontife à Kinshasa le 31 janvier 2023 et la satisfaction de l'opinion congolaise des discours prononcés par le président de la République et sa sainteté le pape François à l'occasion de la rencontre organisée au Palais de la Nation avec la classe politique, la société civile, ainsi que les diplomates étrangers accrédités à Kinshasa. La poursuite des opérations de l'identification des électeurs dans deux principales aires opérationnelles de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre a aussi fait mention de quelques tensions communautaires observées dans certaines provinces. Et enfin, il est revenu sur les bilans définitifs du chavirement de la baleinière HB Boketou, survenu dans la nuit du 18 janvier dernier en province de l'Équateur. Ces bilans signalent 72 morts,
67 disparus et 148 rescapés, et non 160 morts comme annoncé par certaines sources il y a quelques jours. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant est revenue sur la situation opérationnelle dans les pays, marquée par des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo d'une part et les Rwanda Defense Forces déguisées en M23 d'autre part. Elle a signalé l'arrestation à Butembo de M. Christian Yeranan de Sokoulou et certains de ses partisans. Ses leaders du groupe armé Mai Mai est présumé auteur de plusieurs actes de tuerie des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville de Butembo et les environs. Au sujet de la situation à Kwamout, elle a informé le Conseil que depuis la suspension des opérations militaires, une équipe de pacification mandatée par le président de la République a réussi à sortir certains de la brousse, à déposer les armes et à regagner leurs villages respectifs. La vice-ministre de la Défense a dénoncé par ailleurs l'attitude de certains assaillants Yaka qui empêchent la population de retourner dans leur village. Ils ont chassé certains membres de la communauté Teke des villages de l'est de Kwamout. Ils y sont établis en changeant des noms de ces derniers et y ont intronisé les chefs coutumiers de leur obédience. Le gouvernement de la République va continuer son action pour arriver à la pacification totale de cette partie du pays. Pour terminer, la vice-ministre de la Défense a signalé au Conseil le renforcement en hommes et en matériel à la frontière de la République démocratique du Congo et le Rwanda sur la rivière Ruzizi, axe Bukavu, Kamanyola et Kanyamahoro par les éléments de l'armée rwandaise. Au sujet de la situation sanitaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a prêté au Conseil la situation globale de la santé dans le pays avec un accent particulier sur la COVID-19. La tendance à la quatrième semaine de l'année 2023 est marquée par une hausse de l'incidence de COVID-19, 60 cas contre les 43 de la semaine 3, soit une hausse de 39,53%. Il a été noté une hausse du taux de positivité des tests passant de 1,57% à 2,04%. Une absence de nouveaux cas importés, aucun décès n'a été notifié au cours de la semaine qui s'achève. Les principaux foyers de l'épidémie restent toujours Kinshasa, le Nord Kivu, le Haut-Katanga, le Congo central et le Lualaba. Rapport sur l'opérationnalisation des zones économiques spéciales. Faisant suite à la communication du président de la République sur la nécessité de financer des zones économiques spéciales, le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil les rapports sur le processus de mise en place du Fonds spécial de financement des dites zones. Il a indiqué que ces fonds, évalués à 1,9 milliard de dollars américains, prendront en charge les différentes activités liées à l'acquisition des sites, à la conduite des études de faisabilité, à la construction des infrastructures de base et des guichets uniques et à l'amélioration du climat des affaires. Les états des besoins relatifs aux frais des démarrages et des fonctionnements seront soumis par la Direction générale des agences des zones économiques spéciales AZES à son approbation en tant qu'autorité de tutelle, de manière à lui permettre à son tour de solliciter la mise à disposition des fonds en faveur de cette agence auprès de ses collègues de budget et des finances. Le ministre de l'Industrie a rappelé que la création du Fonds spécial de financement des zones économiques spéciales est prévue dans les piliers 7, axe 35 du programme économique du gouvernement, inspiré par le président de la République. Cinquième point d'information, état d'avancement des travaux de construction de centres des formations professionnelles et d'apprentissage des métiers. La ministre de la Formation professionnelle et métiers a informé le Conseil de l'état d'avancement satisfaisant des travaux de construction de centres des formations professionnelles et d'apprentissage de métiers dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Elle a indiqué que cette phase de construction concerne les territoires des provinces du Kasaï oriental, Kasaï central. Chaque centre comporte 4 bâtiments, 10 salles de formation, un dispensaire, 6 locaux pour bureaux, un laboratoire, 3 ateliers, 2 dépôts, 12 boxes de latrines et leur durée court de novembre 2023, novembre 2022 à avril 2023 plus tôt.
Dans cette dynamique des lancements de travaux de construction des centres publics de formation et d'apprentissage de métiers de 145 territoires de notre pays, la ministre a rassuré que la même activité va se poursuivre éminemment dans les restes des territoires de province du Kassai central et ceux du Kassai, du Kwilu, Kenge, ainsi que dans les territoires du Grand Équateur et du Grand Katanga. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 84e réunion tenue le vendredi 27 janvier 2023. Quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers. Deux dossiers du ministère du Commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil deux dossiers relatifs à la revue des taux de perception à l'importation et à l'exportation et deux à la stratégie nationale des promotions des exportations et des diversifications de marché. Il se rapporte aux décisions prises par le gouvernement au cours de sa 61e réunion du Conseil de ministres du 8 juillet 2022. Le premier dossier a trait à la suppression et au rabattement des taux de certains prélèvements, identifiés comme étant arbitraires et ou excessifs à l'importation et à l'exportation. En exécution de ces décisions gouvernementales, la commission ad hoc mise en place a formulé une série de propositions ciblant 5 actes pour la Société congolaise de transport et de port, 4 actes pour l'Office de gestion de fret multimodal, 1 acte pour l'Ligne maritime congolaise, 2 pour la Commission nationale de police routière, 3 pour l'Institut congolais pour la conservation de la nature, 1 pour le Fonds national d'entretien routier, 1 pour le Centre d'expertise d'évaluation et des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses, 1 pour le service de quarantaine animale et halieutique, 2 pour le service de quarantaine animal et végétal. Le ministre du Commerce extérieur a précisé que ces indications de rabattement et ou de suppression de 20 taxes tiennent compte des équilibres financiers nécessaires et de la viabilité des services. Le gouvernement vient ainsi de franchir un pas décisif à ce qui concerne la réduction du poids des prélèvements fiscaux à l'importation et à l'exportation dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires. Le second dossier a concerné la stratégie de promotion des exportations et des diversifications de marchés de la République démocratique du Congo. Le ministre du Commerce extérieur a indiqué que cette stratégie met en lumière la ferme volonté du gouvernement de la République de dynamiser les filières prioritaires d'exportation en soutenant particulièrement la trilogie production, transformation, commerce. Elle représente par conséquent une véritable occasion pour notre pays de stimuler la croissance économique, créer des emplois, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique en Afrique telle que spécifiée dans l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale ZLECAF. Au regard des faibles valeurs des exportations congolaises, l'ambition des SP2-RDC est de viser 1% du potentiel de marché pour le produit non minier et 10% pour le produit minier valeur à atteindre dans 5 ans. Pour lever les obstacles liés à la vétusté et à l'obsolescence de l'outil de production, à la faible compétitivité des produits sur les marchés internationaux et aux contraintes d'ordre logistique, infrastructurel, organisationnel, technologique et financier, 154 interventions nécessaires au développement et à la promotion des exportations ont été définies. Aussi, sur base des critères objectifs qui tiennent compte de la capacité productive du pays, la SPED-RDC a retenu 9 secteurs, 85 filières, dont 23 traditionnelles et 62 des diversifications. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un projet de texte. Projet d'ordonnance-loi. Modifiant et complétant la loi portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement en République démocratique du Congo.
ces textes, a-t-elle indiqué, visent à intégrer dans l'arsenal juridique congolais les matières liées à la lutte contre le changement climatique, notamment la mise en œuvre de la contribution déterminée à l'échelle nationale, l'institution de la taxe carbone, la mise sur pied de l'autorité des régulations du marché de carbone. Pour le gouvernement, le but est de combler les vides juridiques qui font perdre à notre pays d'importantes recettes pour son économie et de lui permettre de capter les fonds de crédit carbone, de mettre en œuvre des engagements internationaux au titre de l'accord de Paris sur le climat. La vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable a insisté sur le fait que tout retard supplémentaire dans la mise en place du cadre institutionnel et légal approprié est préjudiciable à la République. Elle a terminé son intervention en rappelant que ces textes font partie de matières inscrites dans la loi d'habilitation du gouvernement. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Commencé à 13h15, la réunion du Conseil a pris fin à 16h43. Je vous remercie.